La question ne devrait même pas se poser, puisque son contrat au FC Barcelone court jusqu'en juin 2026, et que Xavi semble plutôt satisfait de ses prestations. Oui, mais voilà, le club catalan est en proie à de gros soucis sur le plan économique, on le sait, et la vente du milieu de terrain néerlandais pourrait lui donner de l'air. Ces dernières semaines, on évoque ainsi un transfert à Manchester United, voire au Paris SG, pour renflouer les caisses. En conférence de presse, avec la sélection orange ce mardi, l'ancien de l'Ajax a évoqué son avenir. J'avais l'habitude d'être imprudent quand on me posait des questions sur d'autres clubs. Mais c'est fini. Est-ce que j'ai été appelé? Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je préfère rester à Barcelone. Bien sûr que je comprends, mais je n'ai rien entendu de la direction du club, donc je suppose que rien n'est concret, ou qu'aucun accord n'a déjà été trouvé. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, a déclaré De Jong avant d'insister. Nous n'avons pas gagné grand-chose, c'est un constat juste, et j'imaginais les choses autrement. Nous devons juste faire notre autocritique à ce sujet. Mais ce n'est pas, comme si j'avais regretté mon choix, certainement pas. Barcelone a toujours été le club de mes rêves, depuis mon plus jeune âge. C'est toujours le cas, a-t-il martelé. Indifférent mais pas franchement surpris par les rumeurs qu'il envoie à Manchester United, où vient de signer son ex-coach à Amsterdam, un certain Erik ten Hag. C'est un lien logique, étant donné mon passé avec Erik ten Hag. Mais ce lien est logique, n'importe qui peut le faire. Et j'étais en contact avec ten Hag. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Je ne parlerai pas de ça quand il s'agit d'autres clubs ou entraîneurs, a expliqué l'international batave, 40 sélections, un but, qui affrontera avec ses coéquipiers la Belgique vendredi soir. Pour le mercato, il faudra sans doute encore attendre pour y voir plus clair. Le FC Barcelone ne peut pas recruter ni même inscrire de nouveaux joueurs en raison de sa situation financière désastreuse. Robert Lewandowski, Ruben Neves, Rafinha, chaque jour, de nouveaux noms sortent dans la presse catalane. Pas forcément des joueurs galactiques pour la plupart d'entre eux, mais des joueurs qui coûteront tout de même une certaine somme à l'équipe de Xavi, dans une situation financière très difficile. Et les dernières informations en provenance du pays de Cervantes sont peu rassurantes. Comme l'indique la Cadena Cop, la situation du club est terrible. Il est asphyxié par le fair-play financier de la Liga, qui limite les dépenses des clubs, et qui, via certaines restrictions, empêche les clubs de dépenser plus que ce qu'ils ont ou génèrent. Selon la radio espagnole, toutes les prolongations de contrats sont actuellement paralysées. Le FC Barcelone ne peut ainsi même pas augmenter les salaires de certains joueurs et les inscrire pour participer à la Liga. Même si son nom n'est pas cité, on imagine que c'est le cas dans ce dossier Gavi, qui n'avance pas vraiment. Ce n'est pas tout, puisque même les joueurs qui arriveront libres, comme Kessier et Christensen, ne pourront être inscrits si la situation n'évolue pas. Tout est donc paralysé. Le Barça connaît sa situation financière et les règles de la Liga. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent encaisser plus d'argent et vendre des actifs. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas recruter Lewandowski, a même lancé Javier Tebas, ce mardi dans une sortie médiatique remarquée. Heureusement, le FC Barcelone a quelques solutions, comme la signature de ce fameux deal avec CVC, qui apporterait des liquidités aux Catalans en échange d'un pourcentage de leurs revenus des droits TV pour les années à venir. La vente de Frankie de Jong, convoitée par Manchester United et le PSG, est aussi une autre possibilité sérieusement envisagée par la direction. Joan Laporta va devoir agir vite. Invité à s'exprimer au sujet de l'industrie du football ce mardi, Javier Tebas s'est lâché. Manchester City et surtout le Paris Saint-Germain ont pris cher. Javier Tebas n'a pas sa langue dans sa poche. Régulièrement, le président de la Liga prend la parole dans les médias afin de donner son avis sur des sujets d'actualité tout en glissant des tacles appuyés. Ce mardi, il a de nouveau sorti la sulfateuse. Invité d'honneur des petits déjeuners sportifs organisés par l'agence Europa Presse de Porte, le dirigeant espagnol devait analyser l'avenir de l'industrie du football. Il a notamment révélé les détails de l'accord entre la Liga et le fonds d'investissement CVC, qui a déjà versé 615 millions d'euros le 31 mai.
Chaque club doit allouer au moins 70% des fonds à des investissements pour développer le club, avec un maximum de 15% destiné à la dette financière et 15 autres aux transferts, a précisé Teba qui a ensuite évoqué les meringues, bon élève en matière de finances. Je félicite le Real Madrid pour la Champions League. Sa gestion économique durant la pandémie a été excellente, et c'est le seul club qui n'a pas subi de pertes pendant la pandémie. Et il a remporté la Ligue des Champions, et de la Liga, tout n'est pas question d'argent. L'argent dans le foot, un fléau pour ce sport selon le patron de la Liga. Le niveau des salaires dans certains clubs est déjà un problème éthique, et je l'ai déjà dit, il y a un an, a-t-il lancé avant d'attaquer le Paris Saint-Germain, dans son viseur depuis le transfert de Neymar, et encore plus après la prolongation de Kylian Mbappé. On va déposer la plainte contre le PSG, d'abord auprès de l'UEFA, dans un ou deux jours. Nous ne permettrons pas, ici, à la Liga, qu'un club européen détruise le football européen. La plainte est écrite, et ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce sont des données économiques objectives. Celle-ci sera déposée à l'UEFA, et devant les tribunaux administratifs de France et de Suisse, a précisé Teba, qui en a remis une couche par la suite. Le PSG, avec plus de pertes et de masse salariale que le Real Madrid ou le Barça, prolonge Mbappé avec des sommes qui... C'est impossible s'il n'y a pas de triche sur les sponsorings ou les apports en capital à un niveau supérieur à celui établi par l'UEFA. Le président du PSG peut faire ce qu'il veut, parce que l'UEFA est financièrement dépendante de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème de l'écosystème du football européen. J'ai parlé à d'autres ligues, certaines vont nous rejoindre. Il a ajouté, nous allons le faire, quoi qu'en dise, le président de la Ligue française. Ils me connaissent déjà en Europe. Écoutez Nassé, ce que vous faites tue le football. C'est aussi dangereux que le projet de Super League. Nous, quand nous avons dénoncé l'affaire Neymar, nous avons dénoncé deux clubs, City et le PSG. Les deux clubs ont été sanctionnés par l'UEFA. Que s'est-il passé? Dans une décision très étrange, les deux ont été graciés par TAS. Nous l'avons étudié, et nous allons essayer de ne pas laisser cela se reproduire. Mais il n'y a pas que le club champion de France qui agace Javier Teba. Il s'est aussi questionné sur le transfert d'Erling Braut-Haaland à Manchester City. Un joueur, rappelons-le, qui était courtisé par le Real Madrid et le Barça. Nous verrons comment cette opération a été menée, avec quelle commission. Ces choses étranges sont faites par City, le PSG, ou bien encore Chelsea à l'époque. Impossible pour lui de voir ça en Espagne, où il suit tout ce qu'il se passe, notamment en Catalogne. Le Barça connaît sa situation économique et les règles de la Liga. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, ou un autre joueur, mais ils savent qu'ils doivent s'améliorer et vendre des actifs pour pouvoir signer Lewandowski. Le message est clair. Interrogé au micro de Noce aux Pays-Bas, Memphis Depay, 28 ans, a dressé un premier bilan de son aventure au FC Barcelone. C'est maintenant conclu. Cela ne s'est pas passé comme je l'avais espéré à l'avance. Lionel Messi part, je ne m'y attendais pas non plus. J'ai été blessé à un moment, j'ai été très malheureux, et cela a pris du temps, a-t-il lancé avant de poursuivre. Je me suis entraîné dur, j'ai gardé ma bouche fermée, et j'ai montré que je suis meilleur. Heureusement, j'ai de nouveau eu ma chance, j'ai recommencé à marquer, a-t-il lâché. Et alors que son avenir est sur certaines lèvres en Espagne, avec notamment un départ évoqué, l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2023, s'est montré très clair, pour ce qui est de ses intentions. « Est-ce que je veux rester ?»« Oui », a-t-il répondu. Le ton est donné. Le Real Madrid est proche de boucler le dossier de Tchouaméni, alors qu'un accord est en passe d'être trouvé avec l'AS Monaco pour le transfert du joueur de 22 ans. De sources espagnoles, le montant final de l'opération se rapproche des 100 millions d'euros bonus compris. C'est le feuilleton du moment, et une fois encore, on retrouve les deux mêmes clubs. Qui du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain parviendra à convaincre Aurélien Tchouaméni de rejoindre ses rangs? Eh bien cette fois, contrairement au feuilleton Mbappé, c'est l'écurie espagnole qui a la main dans ce dossier. Hier, plus tôt dans la journée, nous vous expliquions en exclusivité
que le Real Madrid avait accéléré avec une offre dépassant les 80 millions d'euros bonus compris. Un montant toujours insuffisant, mais qui se rapprochait des exigences monégasques. Comme révélé dans nos colonnes, les Madrilènes sont bien décidés à boucler ce transfert, notamment après l'échec du dossier Kylian Mbappé. Un dossier qui a d'ailleurs donné un coup de boost aux négociations. Et bien désormais, nous sommes en mesure de vous confirmer que le Real Madrid est en passe de trouver un accord avec le club de la Principauté pour le milieu de terrain tricolore. Selon nos informations, l'opération devrait se boucler pour un montant total avoisinant les 100 millions d'euros bonus compris. Une somme exceptionnelle que les dirigeants monégasques avaient en fait érigé comme objectif lors des premiers jours des négociations. Ces dernières heures, les deux clubs échangeaient encore sur les derniers détails pour finaliser la transaction. Des détails qui devraient être levés dans les jours à venir. En plus du côté financier, le Real Madrid a aussi un coup d'avance sur le Paris Saint-Germain et Liverpool. Les Parisiens, toujours selon nos sources, partent de trop loin par rapport aux dirigeants des Merengues. Jusqu'à présent, si des discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur, aucune offre officielle n'a été transmise à Monaco. En cas d'échec, Luis Campos a déjà prévu un plan B pour renforcer l'effectif. Un profil de joueur plus technique que le milieu de terrain de l'AS Monaco. Quant aux RI, ils sont aujourd'hui considérés hors course dans ce dossier et devraient se tourner vers de nouvelles pistes. Le Real Madrid a donc une boulevard pour faire d'Aurélien Tchouaméni sa deuxième recrue du mercato estival, alors qu'Antonio Rudiger a déjà signé son contrat avec le champion d'Europe en titre, bien que cela n'ait pas encore été rendu officiel. Il devrait venir compléter un contingent français bien fourni, aux côtés de Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema. Un joli cadeau pour Carlo Ancelotti, et un milieu de terrain qui promet pour l'avenir, avec des joueurs comme Tchouaméni donc, mais aussi l'ancien Rennais ou Fede Valverde. Le FC Barcelone, à la recherche de renforts, aurait déjà lancé une offensive pour un joueur de Premier League. C'est l'objectif numéro 1 de Xavi. De quoi sera fait le mercato du FC Barcelone? Une chose est sûre, au vu de la situation financière du club, il n'y aura pas de recrue galactique, contrairement à ce que pouvait faire croire Joan Laporta, il y a quelques mois encore. Les Catalans auraient déjà sécurisé les arrivées de Franck Kessié, Milan, et d'Andri Christensen, Kelsey, tous deux en fin de contrat. Et c'est sur ce type de joueur, peu cher ou libre, que l'écurie de Liga va travailler cet été, alors que Robert Lewandowski sera la recrue vedette. Ou c'est du moins ce qu'espèrent les dirigeants catalans. Ce mardi, le quotidien local Sport dévoile cependant un nouveau nom qui n'était que très peu sorti, celui de Ruben Neves, le milieu de terrain des Wolves. Il est devenu la priorité du club, mais surtout de Xavi, séduit par son profil. Le coach du FC Barcelone a déjà parlé avec l'international lusitanien, qui est considéré comme le joueur le plus abordable d'un point de vue financier, pour faire de la concurrence à Sergio Busquets. Une discussion pendant laquelle l'ancien joueur de la Roja a fait part au Portugais de ses intentions à son égard. Et visiblement, la réaction du principal concerné a été plutôt positive, puisqu'il a été motivé par les mots de l'entraîneur du Barça et souhaite désormais rejoindre le Camp Nou. La relation privilégiée qu'entretient Joan Laporta avec Jorge Mendes, l'agent du joueur, pourrait aider dans cette opération, alors que le contrat du milieu de terrain à Wolverhampton expire en 2024.